Matthieu chapitre 12. En dans Matthieu chapitre 12, là, Jésus-Christ présente nous aux situations, présente nous disciples qui a traversé un jardin blé un jour sabbat et monsieur cap en quelque sorte racheter blé pour yo et manger. En réalité, c'est travail monsieur a travaillé dans sens ça jour sabbat et fait monsieur venir qui t'a toujours cherché une situation pour accuser Jésus-Christ tout vienne une belle occasion parce que on dit que la loi pas autorisé moun travail jour sabbat qui je dis à donc capable dit jour samedi. En réalité Jésus-Christ va prendre exemple avec exemple David qui était dans courir et qui coûtait courir qui était royaume li et trouvé dans situation côté grand goût te gain pain de proposition qu'il a et David prend de manger pain ça c'est des pains que yo disposé là c'est sacrificateur seulement que te gain droit pour manger yo et yo là pour yo faire une semaine dans temple en réalité te gain 12 pains mais pain ça tout et symbolisé mais ça a été symbolisé Jésus-Christ et yo te 12 par rapport avec 12 tribus d'Israël. En réalité, David pas de droit manger pain. Mais qu'on y a là, David mange. Et Jésus-Christ montre clairement dans ce sens là, David n'est pas péché. Qui ça qui fait David pas péché malgré le te manger pain? Gagne deux bagages que nous t'aimons, mais qu'on est, d'ailleurs, nous connaissons sous question la loi. La loi gagne sa nérelle, intention ou l'esprit de la loi et la lettre de la loi. Donc, l'homme observe la loi, la lettre, c'est l'homme observe la loi, sans intelligence, sa loi du la on fait sans pas même chercher comprendre qui sac derrière la loi. Mais Jésus-Christ lui-même, il était toujours observé la loi par rapport avec l'esprit de la loi ou intention de la loi. C'est-à-dire, et c'est ça qui fait aujourd'hui en nous-mêmes qui chrétiens, faut que nous toujours porter attention avec ça. Jésus-Christ et prend un pile exemple pour le montrer nous et ça, pour le faire nous comprendre ça. Donc c'est pas à la lettre pour le monde observer la loi, mais c'est intention de la loi. Et c'est ça qui fait que il résume la loi en deux. Il dit nous devons aimer bon Dieu tout cœur nous devons aimer prochain nous. C'est-à-dire si derrière la loi nous pas ouais ça, eh ben faut nous poser tête nos questions. Et David pas de péché parce que ville t'es ange, t'es grand goût, s'il pas manger, il t'a mouri, ville plus important que question loi. Donc moun pa gen droit manger pain de proposition. M'bral ban nou l'autre exemple. Yon nom ap marcher, li presque tombé. Et puis il passait dans jardin, li wè chargé banane. Monsieur entré dans jardin banane, il prend trois graines de banane pour l'albouille. Son nez qui volait parce qu'il entré dans jardin pas pour lui. Il prend trois graines de banane pour l'albouille. On n'est pas, il met main sous lui, il va le tuer. Mais il pose la question, pourquoi il soit banane ça? Parce que comme ça, la loi interdit moun, prend sa fait moun, donc c'est voleur, c'est voleur, voleur. Il a dit, oui, c'est voleur, voleur, mais, t'es grand goût, me senti pas qu'arrêter encore, me parler là, me prendre pas de banane, ça prend trois graines de banane pour la bouillir, pour sauver ville. Ou pensez que, selon la loi, n'est-ce pas mérité mourir, non? Il pas mérité mourir parce que ville plus important, que question est-ce qu'elle doit voler ou pas? Et l'entrée dans le jardin, il pas pillé jardin, il prend trois graines de banane juste pour capable de qu'elle. Et s'il explique comme ça, eh ben, n'est-ce pas, pas qu'elle doit mourir parce que la loi baille pour bien l'homme. Ouais, ça, c'est pour l'homme. La loi a été donnée pour l'homme. C'est-à-dire, c'est pour bien-être nous. Donc, la loi, ça va pour bien-être nous. C'est pas qu'elle pour tuer nous. L'élu venant qu'à côté, eh ben, vie nous manger. Et Jésus-Christ, bah, prend exemple. Après, ça, même par rapport avec un homme qui a un message qui va le guérir, vous allez voir, il dit que le pape doit faire et poser la question, est-ce qu'on a fait miracle dans le jour et sabbat? Jésus-Christ, bah, dit, ça s'est passé, nous, c'est nous, on t'a tombé non plus. Est-ce qu'on a quitté le mourir? Ou est-ce qu'on a retiré? Oui, on a retiré, mais c'est travail. C'est pour nous bien comprendre là. Bah, c'est ça intéressant, partie ça intéressant, parce que il fait paraître pour nous l'esprit de la loi. Donc, pour nous qui chrétiens, et Jésus-Christ est toujours porté et attention avec ça. Donc, lui-même, c'est pas la loi à la lettre, mais c'est l'esprit de la loi, comme il était capable. Toujours en mesure pour le ouais, qui s'agdère la loi, eh ben, lui-même, c'est, sans ça, eh ben, il était respecté la loi. Et je dis à même pour nous-mêmes, tout, eh ben, faut nous, appeler pour nous respecter la loi, mais faut nous chercher comprendre ça, qui dit dans la loi, avant même pour nous pas courir prendre, à respecter lui, à la lettre, sans nous pas connaître, ni devant, ni derrière, loi. Donc, l'autre bagaille encore, autre que ça, eh ben, nous voilà,
eh bien pharisiens yo bral et attribuer à Satan l'œuvre Saint-Esprit. Côté Jésus-Christ fait un miracle, côté il guérit on est qui était muet et normalement nèg yo dit c'est pas Beelzebul donc le prince des démons que Jésus-Christ fait miracle ça. Et normalement yon nan premier bagage Jésus-Christ montre dans ça, il dit que Satan pas chasser Satan. Et je dis à remplir une fois nous penser que yon moun ki yo mené bay et on dit que dans question bay vodou vous mené bay yon gang ou bien l'autre monde chasser démon en tête li. Mais en général moun ki connaît eh ben démon pas chasser démon. En réalité démon pas chasser démon, donc ça t'a voulu dire royaume Satan t'a divisé. En réalité entre démon yo t'a toujours gagné un compromis qui fait entre yo. Donc justement parce que pour yo tromper moun, mais réalité a démon pas chasser démon, c'est seulement nous qui chrétiens par la puissance du Saint-Esprit eh ben et qui capable chasser démon. Et par là eh ben Jésus-Christ va dire monsieur yo péché contre le Saint-Esprit de Dieu et normalement péché contre le Saint-Esprit eh ben c'est péché qui pas gagné pardon. Y a une question toujours posée, c'est qui ça péché contre le Saint-Esprit de Dieu? En réalité, péché contre le Saint-Esprit de Dieu, c'est toute bagaille qui permet que nous rivez ou nous pas rivez quitter Saint-Esprit à convaincre nous pour que c'est Jésus-Christ même qui rentre dans le cœur. Donc, nous allons essayer d'expliquer ça. C'est résistance. Parce que mission Saint-Esprit, c'est qui ça? Mission Saint-Esprit, c'est convaincre nous pour nous accepter Jésus-Christ. Convaincre nous de péché. Convaincre nous pour nous repentir. Donc chaque fois au monde, quel que soit par qui façon, parce qu'il y a plusieurs façons au monde capable de pécher contre le Saint-Esprit, mais là me dit plusieurs façons, c'est à dire exprimer qu'on pécher contre le Saint-Esprit, mais pécher contre le Saint-Esprit, eh ben c'est pas quitter Saint-Esprit, convaincre pour accepter Jésus-Christ ou convaincre pour abandonner le péché. Donc tout le monde qui fait ça, eh ben il pas gagner la vie éternelle parce qu'il pas accepter Jésus-Christ. Et c'est mission Saint-Esprit à ça, vient convaincre nous, eh ben, mon ça, lui péché contre le Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ, dans verset 43, 45, là, dans chapitre ça, eh ben, va le montrer nous, lui prend un exemple pour le montrer nous, y'a un monde qui possède par un démon, et démon ça, y'a chassé, en fait, on dit que, m'da dit, y'a un monde qui pas rien, on dit, qui possédait par le Saint par mauvais esprit et puis gagnait il rencontrait avec un chrétien ça chassait mauvais esprit. Mauvais esprit ça allait certes mais il gagnait pour le songer qu'il côté il était bien et là l'a tourné de il t'a préféré prendre sept mauvais esprit pour le tourner dans qu'il parce que qu'il c'est pour l'lier le chasser là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, nous tant que chrétiens nous cachasser mauvais esprit dans tête au monde. Mais monde ça, si il pas accepté Jésus-Christ pour l'honner qu'il y avait le Saint-Esprit de Dieu qui pour empêcher des démons pas retourner là, et ben monde ça à n'importe quel moment là rempli avec mauvais esprit encore parce que normalement il pas posé action de poser pour qu'il habite par le Saint-Esprit. Jésus-Christ dit ça tout pour et peuple juif là pour génération lié avec yo parce que pendant là la fait toute miracle la chasse des démons la fait toute bagaille guéri malade mais si moun mas moun sa yo pas jamais rivé accepter mais condition yo après a vinn pi mal que Jean li jodi parce que démon a tourné encore Jésus-Christ pour l'aller mais démon a tourné encore mais moun qui accepte Jésus qui dans cœur yo et ben moun sa yo va habiter par le Saint-Esprit et démon pas gain pouvoir sur encore ni pour faire malade Jean il a fait là dans période là et ben ni pour à l'avenir parce que lui-même moun sa li accepté Jésus-Christ et ça c'est une leçon que nous-mêmes nous devons prendre donc même si nous ta bon monde qui possédé par mauvais esprit et que monde ça c'est pas chrétien lié et ben nous capable river chasser mauvais esprit mais automatiquement mon arrivé venir à la normale une premier bagage qu'on a dû faire c'est présenter monde ça Jésus-Christ de façon pour l'accepter Jésus-Christ pour Saint-Esprit de Dieu capable d'habiter. Mais si nous pas fait travail ça eh ben nous presque t'a dit c'est laver main sur la terre. Nous allons aller dans le chapitre 13.